Lavez les mains à la maison. Allez les bleus, allez. Reste ici, on est champions. Allez les bleus, allez. Comment allez-vous, chers viewers? Voici le nouveau format, avec ma caméra, au lieu de mon téléphone. J'espère que le rendu sera nettement meilleur. Aujourd'hui, je voulais faire une petite présentation, plutôt originale. Comme vous avez pu savoir, il y a peu de temps, notre gouvernement a décidé de lever le confinement le 11 mai. Super nouvelle. Mais je me suis dit, vu que tous ensemble, on a pu récupérer pas mal de photos, vidéos, de souvenirs, de documents. Important, forcément. Je me suis posé la question, où est-ce qu'on va les stocker? Est-ce qu'on va les garder? Est-ce qu'on va les jeter? Ouais, parce que moi, j'en ai marre. J'ai une tonne de souvenirs et j'ai pas envie de m'en séparer. Que faire? Eh ben t'inquiète pas mec, je connais la solution. Et je vais bien sûr vous guider pour trouver la meilleure solution au meilleur prix pour vous. Forcément, il y en a qui doivent se poser la question, combien ça va me coûter? Pareil, en regardant cette vidéo, vous saurez exactement combien ça pourrait vous coûter, cette histoire-là. Je vais déjà commencer par ce qui est le plus logique pour tout le monde, les clés USB et les disques durs. Après, au cloud. Et enfin, à ce qui pourrait être plus privé, le NAS. Alors, pour commencer, les clés USB. J'en ai des milliers! Oui, mais c'est pas parce que tu as des milliers de clés USB que forcément tu seras le mieux protégé. Ah bon? Oui, une clé USB, c'est bien simple, elle a une durée de vie. Mais elle peut aussi être réduite en faisant n'importe quoi avec. Par exemple, le fait de retirer brutalement la clé USB de l'ordinateur, ça peut déjà abîmer votre clé USB. Deuxième chose, en la faisant tomber par terre. Donc forcément, ça abîme le matériel. Et enfin, bien sûr, les virus, ce qui me semble un petit peu normal. Une clé USB en plus ne coûte pas bien cher, suivant le prix que vous voulez prendre. Si vous voulez prendre quand même une clé USB qui est assez solide, moi je vous conseille de prendre une SanDisk. Elle est quand même efficace, elle est bon marché, et en plus, c'est considéré comme l'une des meilleures marques qui existent. Donc, n'hésitez pas. Après, bien sûr, nous avons d'autres méthodes, comme les disques durs externes. Oh, j'en ai un de 4 Tera, ça doit suffire. Effectivement, 4 Tera, c'est quand même beaucoup. 4000 gigas, Bravo, hein. Mais, pareil, si le disque dur finit par avoir un choc, que tu le retires furieusement comme un cinglé, ou même qu'il ait un virus, tu peux tout perdre. Tout perdre? Non. Donc forcément, ça ne peut pas être une bonne solution. Les SSD, pareil, ça peut être une bonne solution, mais ils sont aussi aux proies, aux virus, aux chocs, ou même le fait de retirer brutalement. Mais ça reste quand même de bonnes méthodes de stockage. Si vous préférez faire ça justement et faire attention à ce que vous faites avec votre matériel, pourquoi pas? Ça peut être une bonne méthode, ça peut être économique et beaucoup plus simple pour vous. Dans ce cas-là, je vous le conseille. Mais dans ce cas-là, faites attention à votre matériel. C'est le plus important. Sinon, si vous devez récupérer justement les données qui se trouvent dessus, croyez-moi, ça coûte très cher. Alors, c'est pour ça que utiliser une clé USB ou un disque dur, ça peut être servi seulement temporairement. Pas à vie, mais temporairement. On voit souvent dans les films, par exemple, des acteurs qui retrouvent des vieux disques durs dans la nature, ou même des clés USB à gauche ou à droite. Mais vous devez bien vous mettre en tête que c'est du cinéma, que ce n'est pas forcément la réalité. Bon, en ce qui concerne les prix, vous avez le prix d'une bonne clé USB là, et enfin le prix d'un bon disque dur en SSD là. C'est à vous de choisir. C'est non. C'est un grand non. Ne faites jamais ça. Ok? Wow, on se calme. Vous n'êtes pas obligé. Si vous n'appréciez pas cette technique-là, je vais vous donc vous donner la deuxième méthode, le cloud. Là, je pense que ça va plus vous intéresser. Vous devez me poser la question, qu'est-ce que ça veut dire le cloud? Eh bien, comme son nom l'indique en anglais, c'est le nuage. Le nuage, c'est bien simple. Il s'agit tout simplement d'un système de stockage qui est utilisé dans le monde entier. Il utilise la puissance des data centers. Data center, en anglais, veut dire centre de données. Une fois que vos données sont stockées justement dans les data centers, ils sont en sécurité. Alors qu'il y ait des virus ou qu'il y ait des chocs, les data centers sont entièrement sécurisés. Si quelqu'un veut réussir à obtenir vos données, il va falloir justement qu'il ait vos mots de passe.
S'il n'a pas vos mots de passe, c'est même pas la peine d'y songer. Ah, vous allez me dire forcément où trouver le cloud. C'est une question que pas mal de monde se pose. Et quel cloud utiliser? Eh bien, je vais vous dire tout simplement. Utilisez le cloud qui est à portée de main. N'allez pas le chercher à Petaouchnok. Mais il y aura quand même un cloud que je pourrais vous proposer et qui serait justement l'une des méthodes la plus judicieuse pour vous. Bien joué, mec. Merci, messieurs dames. Alors, si vous voulez justement avoir un cloud à vous, vous allez tout simplement sur le site de votre FAI. Je vous le rappelle, FAI, fournisseur d'accès à Internet, au plus communément appelé opérateur. Donc vous allez sur le site, vous vous connectez à votre compte, et qu'est-ce que vous voyez? Vous avez un cloud de 100 gigas, ce qui est énorme. Vous avez 100 gigas, vous avez souscrit justement un abonnement chez votre FAI. Même si c'est la fin de votre contrat, ne vous inquiétez pas. Le cloud est à votre nom et restera à votre nom. C'est bête comme chou. L'avantage avec le cloud, si vous voulez, c'est que peu importe où vous vous trouvez dans le monde entier, il vous faudra tout simplement un accès à Internet avec votre adresse email et votre mot de passe. Et restez à les courses, vous retrouvez toutes vos données sans complications. Mais alors, c'est la meilleure solution. La liberté numérique. À moi, enfin, la liberté. Je vais pouvoir déplacer toutes mes photos, tous mes documents personnels, professionnels, où je veux. Yes! Il y a juste une petite chose qui est négative dans tout ça. Ah bon, et laquelle? Monsieur le rabat-joie. Il suffirait tout simplement qu'une personne réussisse à vous dérober votre adresse email et votre mot de passe. Et toutes vos données pourraient vous être volées. Plus vos emails avec des données personnelles ou même professionnelles. Ah non! Ah non, 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 non! Il est hors de question que je prends ça. Je tire. Vous n'êtes un incompétent. Vous ne savez rien faire. Vous nous proposez plein de trucs et au final, il y a toujours un truc qui va pas. Merde! Je le casse! Ne vous inquiétez pas. J'ai souvent ce genre de client, toujours à faire la gueule, toujours à gueuler pour rien. Tout ça, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas ce qu'ils veulent. On leur propose une solution, c'est jamais bien pour eux. Si je leur proposais tout simplement la dernière solution, je suis sûr et certain qu'ils n'en voudraient pas. Ah bon, et laquelle? Eh bien, la solution, la dernière solution, qui est disponible en même temps que les particuliers, que les professionnels, reste le NAS. Pour les NAS, je vous explique. Il s'agit tout simplement d'un serveur de stockage en ligne. Comme son nom l'indique, permet justement de stocker vos données comme si c'était un data center et d'où justement à la compétence du cloud. Ce qui vous permet au final, peu importe où vous vous trouverez dans le monde entier, vous pourrez récupérer vos données sur le cloud privé, le tout dans une confidentialité hors normes, ce qui vous garantit la sécurité de toutes vos données. C'est vraiment quelque chose de fantastique, croyez-moi. D'ailleurs, j'en utilise un et ça me sert tous les jours. Vous m'intéressez, jeune homme. Continuez. En plus d'avoir la possibilité de pouvoir l'utiliser n'importe où, on peut décider de la taille de stockage que l'on veut. Et là, ce n'est pas 100 gigas que vous pouvez obtenir. Non, 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 non. Non, 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 non. Vous allez obtenir l'espace que vous désiriez obtenir. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est qu'il y a à tout prix, pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens, aux personnes qui ont énormément de moyens. Ça peut aller, par exemple, de 120 euros pour le NAS, 120, 140 pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens, à 10 000 euros. C'est diversifié. Mais attention, attention. Plus on va monter, plus vous aurez d'espace de stockage dans le NAS. Et plus il y a d'espace de stockage dans le NAS, plus vous allez pouvoir faire une méthode en RAID. Le RAID, c'est bien simple, c'est une méthode de stockage, mais considéré comme professionnel. Pour les particuliers, croyez-moi, vous n'en avez pas besoin. Pour les professionnels, ça reste très important. Qui peut utiliser une méthode en RAID? Eh bien, ça peut aller du gouvernement à la petite mairie. Ça peut aller
De la grosse entreprise à la petite entreprise, tout professionnel qui se respecte doit avoir au moins un as. Pour un raid, au minimum. Au minimum! Je suis une personne richissime. Je suis un particulier. Est-ce que j'ai le droit d'avoir un stockage énorme? Oui, mais je préfère vous prévenir tout de suite. Ça va vous coûter très cher. La peau du cul! C'est pas grave, j'ai les moyens. Combien? Je veux le maximum. Le plus gros que vous pouvez me proposer. Alors, le plus gros que je pourrais vous proposer, ça serait un as à 10 000 euros. Ou vous pouvez mettre justement 5 pétards. Et c'est quoi 5 pétards? Combien il y a une disque dure à l'intérieur? Combien ça va me coûter? Alors, pour votre gouverne, monsieur, un pétard est égal à 1000 teras. Vous multipliez ça par 5, ça vous fait 5000 teras. Et en pétas, ça vous fait au final 5 pétas. L'avantage avec ce genre de NAS, c'est que non seulement vous pouvez rajouter les disques durs 3.5, les disques durs normales, d'ordinateur fixe, mais en plus, vous pouvez mettre des SSD pour vous prouver à quel point c'est puissant. Est-ce que vous vous rendez compte la puissance de ce NAS? Ça, je vous parle de ça, mais ça reste le NAS le plus puissant qui existe au jour d'aujourd'hui, qui est sorti que l'année dernière. Je vous pose la question encore une dernière fois. Combien ça va me coûter? Rien qu'avec le NAS, ça va vous coûter 10 000 euros. Avec les disques durs, ça vous coûtera au minimum 6 000 euros de plus. Donc au final, ça va vous coûter 16 000 euros de très haute performance. Et encore, avec le système RAID, comme je vous disais, le système va prendre justement une partie des disques durs et en cas de crash, les disques durs vont être utilisés et remplacer les disques durs qui ont eu un problème. C'est vraiment le top du top qu'on peut proposer à quelqu'un. Pour en ce qui concerne les disques durs, là maintenant on passe justement à des racks. Vous pouvez rajouter autant de racks que vous le voulez. Mais ce que je peux vous dire, c'est que vous pouvez en mettre jusqu'à maximum 5 pétas. Et bien pour le prix, monsieur, c'est bien simple, ça va vous coûter 3 fois le NAS. Ça peut aller facile à 20 000 euros de plus. Et ben voilà quand vous voulez. Tenez, voici une avance. Et je le NAS dans une semaine, pas plus. Au revoir. Le gros connard, il me donne une petite avance d'à peine 300 euros, alors que je lui ai dit que le NAS allait lui coûter au moins 30 000. Quel connard! Putain. Sans déconner quoi, vous avez compris que un NAS, forcément, ça peut avoir divers prix, divers tailles, mais si vous pouvez obtenir un cloud privé avec le NAS, c'est un avantage à ne pas mettre de côté. C'est quelque chose de vraiment très pratique. C'est la fin de cette vidéo. Bien sûr, vous vous posez peut-être la question, quel est justement ce fameux cloud que je vous disais? C'est un cloud gratuit qui vous propose justement 50 gigas sans avoir besoin justement d'avoir fait un contrat avec l'un des FAI. Il vous suffit juste d'avoir une connexion internet, vous avez votre mot de passe et votre adresse email, ça suffit amplement. L'avantage, c'est que vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Imaginons, je dis n'importe quoi, hein. Imaginons que vous avez pris 50 adresses mail. 50 adresses mail que vous savez à quelle est, telle et telle adresse mail se trouve telle et telle donnée. Je vous laisse faire le calcul, hein. 50 x 50, eh ben pour beaucoup, ce sera un énorme avantage. Mais c'est une petite astuce que je vous donne, hein. C'est gratuit. C'est gratuit. Voici la lettre. N'oubliez pas de liker. Et bien sûr, abonnez-vous. Je vous laisse. Et en attendant que le coronavirus soit terminé, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, restez connectés. Ciao tout le monde.